Ah, là, je suis vraiment content d'avoir su le Predator Alpha. Alors, je sais pas si c'est tiré d'une BD, j'en sais rien. Ça fait pas partie de l'univers des films Predator. Mais il est magnifique. De la marque NECA, 20 cm. 100e édition. Alpha Predator, Ultime Alpha Predator. D'ailleurs, il y a pratiquement les meilleures notes sur Amazon. J'en ai jamais vu un comme ça. Et c'est parti. Magnifique. Alors là, les détails et tout sont magnifiques. Je sais pas, je savais pas où mettre son accessoire, je l'ai mis ici. Sa sorte de faucille, je l'ai mis sur le côté. Il y a un très beau poster aussi. Il est magnifique. Les dreadlocks sont magnifiques. Entre le violet, le bleu et le blanc, c'est pas de trop. Ah, c'est la première fois que j'en vois un aussi dingue. Incroyable, avec ses cornes derrière, que j'ai dû remettre. C'est un truc de fou. Il est magnifique. Et ça fait pas partie des films, hein. Ça fait peut-être partie d'une BD, j'en sais rien. Ce qui est fort possible, mais il est magnifique. Le casque, un truc de dingue aussi. On dirait que c'est le casque du premier Predator avec Schwarzenegger, qui à l'origine, à mon avis, il était comme ça à l'origine. Du film, hein, je parle pas de ce Predator-là. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est tiré d'une BD, je pense. Et normalement, l'origine du premier Predator, c'était un casque comme ça. En plus, alors, que vous mettez dessus, franchement, il est magnifique. C'est une tuerie. Les détails sont magnifiques. J'ai jamais vu un printemps comme ça, des petits crânes ici. Là, c'est une sorte de. Ça fait penser au film d'Hyper Scrippers. Une sorte de lance, là, je sais pas quoi. Enfin, ici, une faucille. Là, magnifique, là, les détails. Là. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu un printemps comme ça. D'ailleurs, il est même très bien noté sur Amazon. Ce qui est pas étonnant. Pratiquement 5 sur 5. Incroyable, il est massif. De dos, il est massif. Là, j'ai dû rajouter deux petites cornes. C'était un accessoire, mais bon. Les dreadlocks qui sont incroyables. Alors, je vais pas trop bouger parce que c'est un casse-gueule. Je suis bien content de l'avoir eu. Parce que j'en voulais un qui sort de l'ordinaire. Ah, bah, c'est bien sûr le premier qui est vraiment qui sort de l'ordinaire. Ah, la tête, elle est incroyable. Les dreadlocks, là, les couleurs sont belles. Entre violet, je vous dis violet, rose, on sait pas trop blanc. Il y a même un chignon, on part au-dessus. Donc. Là, ça fait bien parce qu'ils ont pensé au casque, faut que ça fasse la même couleur. Forcément, le jaune et le jaune avec celui-là. Magnifique. Ça fait un peu moyenâgeux, primate, on sait pas trop, mais il est magnifique. Il y a un très beau poster derrière que je vais encadrer. Parce que j'ai pas eu de photo de poster. Je vais dire dans un coin, je vais l'encadrer, comme ça il bougera plus. Un beau cadre. Voilà, j'ai trouvé des mesures. Il est magnifique, j'en ai jamais vu un comme ça. Hein. Incroyable. Ça m'étonne pas qu'il y ait pratiquement 5 sur 5. En étoile, il y a 500 commentaires, je sais plus combien sur Amazon, c'est un truc de fou. Vous savez, quand vous êtes fan de films ou de Alien, de Predator, ce que vous voulez, il y a toujours. Oh, regardez ça. Franchement, il est magnifique. J'en ai jamais vu un comme ça. Il est très très beau. Je suis bien content d'avoir su. Alors, je mettrai Alpha Predator, 100e édition. La marque NECA. De toute façon, NECA, c'est connu. Pour ceux qui connaissent, ils savent très bien. Les yeux, ils sont un petit peu rouges au pas de trop, mais ils sont magnifiques. Bon, je peux tourner la tête et tout, mais je vais laisser comme ça. Il est incroyable. J'en ai jamais vu un comme ça. Ah ouais, franchement, il est vraiment très beau.
Ouais, petits accessoires et tout, les mains, le casque. Ah, il est magnifique. Ah, franchement, je suis content de l'avoir pris parce que j'avais hésité. J'ai dit, oh, non, comme franchement. De dos, alors le dos, j'adore le dos. La clé de Redloss, il est magnifique. J'adore. Franchement, il est. De dos avec les cornes et tout, là. Oh, magnifique. De profil, magnifique. Bah, c'est pareil, il y a une histoire de. Certainement un truc, une créature. Un crâne. Ici. La lance, magnifique aussi. Tout est beau, rien à dire. Ah, il est magnifique. C'est certainement un des plus beaux que j'ai. Hein. J'ai jamais vu un prédateur comme ça. Hein. Pourtant, j'en ai des prédateurs de toutes sortes, mais alors celui-là, il est vraiment à part. Extraordinaire. Lumière. Voilà. Ah, même à l'intérieur de la bouche, je sais pas comment ils font les détails de cinglé, mais ils y arrivent. Magnifique. Ah, franchement. Oh, de profil, il est magnifique aussi. Il est énorme, il est massif. Bon, bah, je vais couper là. Je suis bien content de l'avoir reçu. Du coup, j'ai beau le poster. Le poster, de toute façon. Je l'ai ici, mais j'essaie de l'ouvrir maintenant. Je sais pas si je pourrais l'avoir. Que je vais encadrer parce que je vais pas m'emmerder à foutre ça dans un coin. Je vais l'encadrer et il bougera plus. Il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est un des plus beaux. J'ai jamais vu un prédateur comme ça. Ah non, là, franchement, non. Je vais l'encadrer parce que franchement, ça serait une perte de foutre dans un coin et il bougera plus. Voilà. Et je vais couper là. Ah, il y a encore des surprises, hein, parce que j'ai encore des anciennes collections à faire voir, hein, j'ai pas tout fait voir. Mais il y avoir des belles surprises par la suite. Hein. Je vous dis pas ce que je vais recevoir, mais ça va être monstrueux. Quand je dis monstrueux, c'est monstrueux. Hein. Je vais pas à la demi-mesure. Hein. Bon, je coupe, merci. Magnifique. Rien à dire, je suis vraiment content de la pièce. Alors évidemment, ça fait pas partie des films Predator. J'aimerais bien qu'ils foutent des prédateurs comme ça, ça serait bien plus original, je trouve. Entre le primate et on sait pas trop, enfin bref. Préhistoire, on sait pas. Mais celui-là, il est vraiment extraordinaire. Voilà, c'est tiré d'une BD, hein, certainement, des BD, mais bon, ça, les BD, je les lis pas. Alors. Mais moi, quand j'ai vu le. Putain, c'est des tailles de cinglé, quoi. Ah, je suis fasciné par celui-là. Je trouve que c'est un des plus beaux. Le plus. Ouais, il est plus réussi. Enfin, de la marque Neko, d'ailleurs. Je coupe là, merci. J'en ai des autres qui sont extraordinaires. Peut-être que je les ferai voir. Hein. Je coupe. Ha 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 ha